Bonjour à tous, il est 6h du matin, je suis sur le site de relâcher à Sumatra. Les premières rencontres de la journée, Nono et son fils sont à la lisière de la forêt. Ça montre bien que certains individus sont devenus plus indépendants que d'autres. Là, par exemple, la femelle Lingxi revient régulièrement à la volière pour prendre la nourriture, alors que son mâle et son fils se contentent des fruits de la forêt et surtout des feuilles pour le siamang. Pour rendre visite à toutes les familles de siamang qui ont été relâchées, à chaque fois, je retrouve les siamangs, je ressors de la forêt, un petit tour en mobylette, et puis on rentre dans la forêt. Avec tous ces animaux qui ont l'habitude des humains, cette stratégie d'à chaque fois sortir de la forêt pour passer d'une famille à l'autre, était en fait une stratégie préventive pour éviter que les animaux nous suivent et que les familles se rencontrent entre elles, ce qui aurait été un souci. Puisque les siamangs comme les gibbons sont très territoriaux. Donc même s'ils nous suivent, en fait ils s'arrêtent à la lisière de la forêt. Et là, mobylette. Maintenant, on rentre dans la forêt pour aller observer Timot et Kusuma. Ils sont plus difficiles à suivre parce qu'ils gardent une sacrée rancune contre les humains. Et quand ils nous voient au sol, ils ont l'habitude de descendre pour nous charger. La plupart du temps, c'est des fausses attaques. Oups, désolé. La plupart du temps, c'est simplement de l'intimidation. Mais quand même, il faut faire attention. Ils deviennent vraiment de plus en plus difficiles à observer et encore plus à filmer. Je pense pas que j'aurai de meilleures images. Timot, le mâle, est devenu vraiment agressif. Alors il y a plusieurs scénarios qui peuvent expliquer ça. Le premier, c'est qu'il y a une vraie rancune envers les humains, un vrai traumatisme. Donc il attaque dès qu'il voit des hommes au sol. C'est pour ça qu'un programme de réhabilitation des grands singes, de manière générale, n'est pas compatible avec de l'écotourisme. Parce que ces animaux pourraient s'approcher trop près des humains, voire les attaquer. Le deuxième scénario, c'est comme ils ont été élevés par des humains, ils associent peut-être les humains à leur propre espèce, une partie de leur inconscient peut-être. Et comme ce sont des animaux très territoriaux, une fois adultes, ils sont complètement émancipés et ils ne veulent plus de la présence des humains sur leur territoire. Timot, par exemple, attaque réellement lorsque les gars s'approchent de la volière d'acclimatation où il a passé du temps avec sa femelle. C'est en fait le cœur de son territoire. Donc c'est peut-être une de ces deux raisons, peut-être le mélange des deux, voire peut-être autre chose.
Ce qui est certain, c'est qu'ils sont agressifs envers les humains et c'est pas plus mal, puisque maintenant ils ont une vie libre dans la forêt.